Je vais vous présenter une nouvelle carte d'un type que je n'ai jamais vraiment abordé sur la chaîne. C'est les cartes de type mini-jeu. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. Alors, tout d'abord, quelques mots sur la carte. C'est une carte qui s'appelle Melon Mania 2. Elle a été créée, comme vous pouvez le voir ici, par Condé. Donc, comme d'habitude, vous aurez le lien Planète Minecraft dans la description de cette vidéo. Tout d'abord, quelques instructions pour les rendus graphiques. J'ai déjà tout passé en vue avant, hein, j'ai simplement, mais il faut activer les particules, la distance de rendu, c'est bon, je suis à 8. Et le FOV, je sais même plus où c'est d'ailleurs, mais bon, ça doit être bon a priori, comme je n'y ai jamais vraiment touché. Bon. Donc le but de cette carte, ça va être tout simplement... Alors, je crois que c'est un peu inspiré... donc ça c'est le record à battre, 223. Et on a des citrouilles qui apportent des bonus. Donc plutôt que de faire des longs discours, hein, on va commencer tout de suite. Bon, alors il y a simplement un livre. Donc voilà, il faut utiliser un arc pour exploser les melons. Il y a aussi un marteau pour les smasher. Plus vite on monte en niveau, plus on gagnera. Ah oui, puis il y aura même les... Oui, il y a les statistiques aussi dans le livre. Ça, utilise une fonctionnalité très sympathique qui permet d'insérer dans le JSON les informations de scoreboard. Bon, voilà, c'est parti. Niveau 1. Je crois qu'il faut que j'en détruise 3, j'ai même pas vu. Donc, on détruit les fruits maintenant. Voilà. Alors, c'est déjà fini. Ouais, apparemment, il fallait que j'atteigne 3 points, là, simplement. Donc, j'ai... Ouais, voilà, j'ai joué une fois, j'ai explosé un melon. Total score 3. Bon, alors, je suppose qu'on va pouvoir recommencer maintenant. Objectif, détruire 3 melons. Ah, mais j'ai un temps extrêmement limité, en fait. Bon, c'est pas la peine... Je pense que c'est pas la peine de bander l'arc à fond. Ouais, voilà. Ah, ok. Bon, ça va un peu vite, hein, mais voilà, faut encore que je détruise 3 melons. Voilà, là, ça va commencer à se compliquer un peu. Ah, il faut essayer d'anticiper, de prévoir plutôt. Bon, là, apparemment, j'ai pas réussi. Pour l'instant, j'ai un score total de 9. Du coup, ça me fait... Ouais, donc j'ai bien joué 2 fois. J'ai explosé 4 melons en tout, d'accord. Bon, on continue. Ah oui, donc on commence de là, ok. Il faut vraiment aller vite, en fait. Voilà, bon là, on a réussi. Donc, il met bien level completed. Completed, je sais pas. Ah, j'en ai eu un, là. Ah, aussi, allez. Merde. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai quand même 18, bon j'ai battu mon record. Et alors par contre je crois qu'on pourrait parler au cochon aussi. Non, parce que tout à l'heure, juste avant de commencer le tournage, voilà, j'ai eu quelques petits dialogues, mais non, il a plus l'air de causer. Bon, c'est reparti. Ouais, donc on recommence à chaque fois. Voilà, on peut aussi les smasher comme ça. Enfin les. Ouais, ça revient un peu au même en fait que la flèche. Ouais, donc voilà, c'est le même niveau. Cette fois-ci, on va essayer d'y arriver. Ah, merde. Voilà. Ah, je l'ai eu, non? L'autre. Non? Bon. On va recommencer. Faire au marteau. Donc il y a aussi une citrouille, là on peut l'éclater pour avoir du bonus. Voilà, plus 5 secondes. Et par contre il affiche pas le temps, c'est plutôt dommage. Oui, parce qu'il y a bien, il y a bien un système de temps, hein, parce qu'en fait les citrouilles apportent un bonus de 5 secondes. Donc il y a un système de temps, mais il n'est pas affiché. Bon, j'ai pas encore, j'ai encore échoué là. Ah non, mais si, le temps c'est la barre d'XP, excusez-moi, non, je dis n'importe quoi.
Le temps est bien affiché sous forme de secondes sur la barre d'expérience. Ouais, non, mais j'ai pas fait attention. Voilà, donc là on a bien 10 secondes. Et voilà, c'est mal parti. Bon, allez, on va les enchaîner, hein. C'est un jeu de vitesse. Et comme je disais, je pense que c'est pas la peine de bander au maximum. Je pense qu'on perd du temps plus qu'autre chose. Bon, cela dit, il faut pas non plus tirer trop bas. Bon, là, ça va encore être échoué. J'ai une très mauvaise précision, hein. Enfin, surtout quand il faut aller vite, en fait. Hop. Voilà. Bien s'orienter. Oh, j'ai eu du temps bonus, là. Putain. Oh, mais il a disparu celui-là, mais je n'ai pas vu les particules. Ouais, je suis pas... Hop. J'ai eu du temps bonus, là, mais... Ah. Et je l'ai pas... Oh, putain. Allez, on y retourne. J'aimerais bien voir les niveaux suivants. Oh, putain. J'arrive pas à gérer mon inventaire, déjà. Allez, on reprend. Allez, on y retourne. On va essayer de retirer sur la citrouille. Voir si le temps bonus compte en fait pour la... Non, ça compte pas pour la partie suivante, hein, c'est dommage. Enfin, pour le niveau suivant. Il m'a bien mis plus 6 là, mais... Oh. Bon, il n'y a pas un truc... Non, il n'y a rien derrière, il n'y a pas une citrouille des fois quelque part, parce que ça pourrait aider. Ou alors, il faudrait que j'essaie de les avoir par en dessous plutôt. Parce que là, en ce moment, j'essaie de tirer plus au-dessus de la barre, mais... Bon, ça vaut pas le coup que je fasse le bonus de temps, là. Ah. Ah. Ouais, ça change pas grand-chose. Faut trouver le bon moment. Bon, ça, on va le connaître par cœur. Allez. Oh, fait chier cette barre. Bon, j'en ai eu un par chance, on va dire. Prends. Allez. Je vais l'arrêter cette barre, là, c'est une merde. Ah là là. Oui, c'est un peu l'inconvénient. Bon, faire une vidéo, y a quand même, ça va quand même être un peu léger comme contenu si j'arrive pas à passer au suivant, là. Ah, je l'ai eu. Ah, bah voilà, enfin. Bon, niveau 3, maintenant il faut détruire deux melons. Il faut tirer sur le bouton, non? Ah oui, ok, il faut y aller carrément. Ah, et puis du coup, ah, je vais être obligé de tout recommencer du coup. Il n'y a pas un moyen pour retourner au niveau fait déjà, parce que... Peut-être dans le livre, non? Non. Donc j'ai joué 15 fois, en tout j'ai explosé 61... Enfin, j'ai éclaté plutôt 61 melons et 2 citrouilles. Ouais, 25 comme record, bon. C'est pas terrible. Maintenant, bon, je vais essayer quand même d'aller plus vite.
Donc je commence à apprendre le coup. Peut-être que j'explore un peu cette zone aussi. Voir s'il y a quelque chose derrière des fois. Tirer un peu plus haut en fait. Quoique. Non, en fait, c'est pas du tout inspiré d'une application en fait à laquelle je pensais tout à l'heure, mais non, c'est pas ça du tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec Fruit Slasher. Mais bon, c'est pas du tout la même chose en fait. Allez. Voilà. Plus 6. Enfin, mais le problème c'est que le bonus n'est pas reporté. Donc si en fait c'est. Oui, il est reporté sous forme de points, mais pas en temps sur la partie suivante. Enfin sur le niveau suivant. Bon là, c'est pas la peine, c'est peine perdue. Ah, j'ai du mal, hein. Allez. On va essayer. Non, en fait, on va partir sur une autre optique qui est de ne pas bander l'arc, enfin de pas le bander longtemps, mais du coup de tirer un peu plus haut parce que sinon ça va pas partir assez loin. Hop. Donc voilà, on va essayer d'appliquer cette nouvelle stratégie. Ah bon là par contre c'est un peu léger quand même. Ouais, en faisant comme ça, on va quand même bander un peu, mais pas longtemps. Bon. Oui, puis on va peut-être quand même relire un peu le livre, juste comme ça. Bref, vérifier qu'on n'a rien à louper. Hop. Oh putain de barre. Oh putain. Je sais pas si c'est une bonne stratégie en fait. Ah oui, je voulais lire le livre, mais tant pis. On est quand même obligé de le bander un minimum. Oh. Bon bah comme ça on a vu le truc. Je sais pas que je mourrais comme ça ici, mais bon pourquoi pas. Voilà. Je commence à perdre pied là. Bon ça y est, je fais plus rien là, c'est. Ah. Non. Oui, donc forcément, hein, plus on va vite, plus on a de points. Ce qui paraît logique. Putain. Ah. 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 Merde. Ouais, c'est bien ce qu'ils disent, hein. Voilà. Ouais. De toute façon, c'est tout. Oui, alors oui, on peut aussi... Si on fait un record, enfin bon, pour l'instant, c'est pas trop mon cas. Mais si on fait un record, oui, on peut aller publier une capture d'écran sur Planet Minecraft. Ce que je ne ferai pas, hein, parce que bon... Oui, il a fait 223, j'en suis assez loin. Bon. Ah, je crois savoir à peu près quand est-ce qu'il faut tirer. Bon alors attention, celui-là c'est le dur. Enfin c'est le dur. Oh merde, j'ai tiré à côté. Donc en fait, oui mais en plus c'est il nous met du parcours en plus en là-dedans. L'objectif c'est... Alors j'espère que j'ai pas mis le son trop fort par contre. Non c'est bon.
L'objectif, c'est de bah, d'aller les faire à la hache, je pense, en faisant le parcours. Ouais, alors, pour le niveau 2, je pense qu'on a... Ouais, voilà. Faut tirer quand la... Ouais. Quand la barre redescend et qu'elle est au milieu. Enfin, bon, c'est ce que je constate après ces tentatives. Allez, vite, 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 vite le mur. Oh, oh c'est bon. Je l'ai eu. Le niveau 4. Oula, là, il faut en détruire 7 maintenant. Ouf. Oh, c'est pas forcément du haut, en fait. Il faut être rapide. Ouais, bon. 44, enfin, ça va, c'est quand même un peu plus... présentable, déjà, comme score. Allez. Continue. Je sais pas combien il y a de niveaux, tiens, d'ailleurs. Ça doit être marqué sur le site, mais... je me rappelle plus. Je l'ai pas mis dessus là. Non, ça y est, j'ai perdu mon habitude. Bon. Allez, on essaye de se reprendre. Et puis bon, je vais bientôt arrêter. Hein. Je vous aurai donné un aperçu de la carte. Ça sert à rien non plus de jouer trop longtemps dessus en vidéo. Ah, ça y est, Ah, j'arrive plus. Ah, voilà. Voilà. Niveau 3, bon, celui-là, je l'ai déjà réussi plus vite quand même que l'autre. Perdons pas de temps. Ah, allez. Quand il faut se retourner, en plus, c'est vraiment la galère. Bon, là, on va tout de suite se mettre sur le slot. 1. Ah, je l'ai raté. Oh, putain. Bon, là, je pense que c'est foutu, hein. Ouais, voilà. J'ai fait 40 d'ailleurs, j'ai même pas battu mon corps. Allez. Bon allez, celui-là on essaie quand même d'y arriver maintenant parce que... Ça fait quand même longtemps qu'on est dessus. Non. Ah bah si, je l'ai eu. Voilà. Ouais, des fois ça fait pas de particules, je sais pas pourquoi. Bon allez, cette fois-ci on essaye de pas les rater. Ah bah non, c'est pas ce niveau-là. Je m'étais préparé à l'autre. Bon, oh merde. Bon, ouais. Bon, puis, oula, d'accord, 4 coeurs. Sympa. Bon, ça va être la dernière tentative, je pense, et après on en restera là. De toute façon, je vais pas tout faire, hein. Comme à chaque fois, je vous donne un aperçu, après c'est à vous. Si vous voulez poursuivre l'aventure de télécharger la carte. Donc des fois en fait il pète les deux, je sais pas pourquoi, oui il en pète deux à la fois, ça arrive. Oui, d'accord. J'avais pas pété les trois, non? Bon du coup on va recommencer parce que... Ouais, un problème d'affichage alors sûrement. Hop. En tout cas, c'est encore du bloc de commande, hein. C'est pas du tout un mode. Et c'est très très bien foutu. Alors vraiment se méfier des problèmes d'affichage par contre. Oh là, j'ai fait un bon temps, faut pas le gâcher. Oh putain, j'ai mal atterri. Bon allez, une dernière tentative. Et après ce sera tout pour cette vidéo. Détruire 3 melons. Bon, à la fin, on est quand même vraiment rapide, hein. Surtout sur ce qu'on connaît. En tout cas, un concept que je n'avais jamais vraiment vu. Dont je n'avais jamais vraiment vu les représentations. Donc très belle, très très bonne carte. Hein. Oh. Bon, allez, on s'en fait encore une, on va dire. Vraiment la dernière cette fois-ci.
Parce que bon, après, ça va faire quand même une bonne vingtaine de minutes, donc c'est bien. Hop. Voilà. Parce que j'aime pas finir sur un résultat mitigé, mais bon. Voilà. Allez, ah oh, oh putain, j'ai failli échouer là. Allez, niveau 4. On va se le réessayer celui-là. Ah! Bon bah c'est foutu. De toute façon, si on rate son coup, hein, c'est foutu ce truc-là. Ouais. Bon bah sur ce, 45. Voilà, j'ai battu mon record de 1 point finalement à la fin. Donc on restera sur 45. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous rendre sur le lien officiel que je vous donnerai dans la description. Si vous voulez l'essayer à votre tour. Donc, bah, merci. Merci Condé pour ce bon moment. Voilà, à plus tard tout le monde.